Bonjour à toutes et à tous, mamie et mémette. On se retrouve sur un nouvel épisode de Airborne Zero sur NES. Et un nouvel épisode qui, je sais pas, est-ce que ça va être un épisode où je vais farm XP, même si j'en ai un peu farm off, ou est-ce que c'est un épisode où est-ce qu'on va avancer? J'ai trouvé un passage, un passage au nord, au nord-ouest, qui va répondre à cette question. Est-ce qu'on va pouvoir avancer, ou au contraire, est-ce qu'on va rester bloqué? On va voir ça. Bon, évidemment, il y a les combats à faire sur le chemin. Donc faisons ça. C'est toujours des monstres qui donnent beaucoup d'expérience. Je sais pas si c'est le bon point. Ouais, si c'est le bon point. Donc il y a ce chemin ici. Je sais pas si nous l'avons vu la dernière fois. Ok. J'ai recouvré mes forces à la fontaine de la reine Marie. Ok. Il y a énormément de trous à l'est de la ville. On peut entendre le son d'un autre monde à travers l'un d'eux. Ah ah! Ta force a été restaurée au contact de la mystérieuse fontaine. Ok, non, moi c'est pas ça que je veux voir. Ah mince, ça marche pas comme ça? Bon, vous savez ce que ça veut dire, hein. Faut aller voir les trous qu'il y a de l'autre côté de la ville. What? Tu as l'air suspect, je te laisserai passer si tu résous cette énigme. Et que... Quelle énigme? De quoi le mec il me parle au juste? Oh, alors lui je l'aime pas. J'ai vraiment fuir. Ça se passe mal là. C'est bon, on a pu s'enfuir. Mais vraiment, cet ennemi là, il va nous causer des soucis. J'ai l'impression. What? C.J. Freeman à la consternation et à l'horreur de Death. Ah oui, d'accord, c'est celui qui nous a accompagnés la dernière fois. Ah, y a une tombe. Ah, mais il est vraiment mort, on peut pas aller le rechercher en fait. Ah, bah. RTC, vous êtes triste, dérivé à son âme. J'aime bien comment il nous donne pas beaucoup de points d'expérience. Ça sert presque à rien de le tuer. Ah, ouais, on a direct trouvé le puits. D'accord. Un gros chou apparaît. Ok, il me dit salut et il stay. J'aime bien cet ennemi, il stay tout le temps. Au revoir. Par contre, il y a beaucoup d'ennemis. Hein. Et c'est pas par là. J'ai comme l'impression qu'on va se perdre. Oula. Moi je serais d'abord plus d'avis.
Ah, je peux pas choisir attaquant. Ok. On va se soigner. Voilà, ça va mieux ainsi. Donc, elle attaque deux fois, d'après ce que je vois. En un clin d'œil, lol. Oula, mais elle rigole pas, elle. Encore un peu, elle allait nous avoir. C'est quand que j'apprends un sort de régénération plus puissant? Un quoi? Un nul riche. Ouais, d'accord. A mon avis, il a dû donner beaucoup de... What? Il a dû donner beaucoup d'argent. D'accord. Voilà le triplé. Ah, c'est moi qui ai reçu le coup critique. Bah oui, d'accord. Heureusement que j'ai one shot, hein, parce que punaise. Ce serait pas de la tarte sinon. Ah mais c'est vraiment là-dedans en fait. Il va falloir qu'on cherche. T'es sérieux de m'avoir infligé du 22 en critique? Pas passé à poche. Au revoir. Tu approches. Ah, niveau suivant. HP. Oh, les HP ils augmentent de 14, c'est bien ça. Mais si on a déjà été. Et allez, revenez à la famille au complet. Punaise, mais. What? Pourquoi ils font plus mal qu'avant? Moi je me taille, hein, c'est bon. Cent douze PV, waouh. Ben quand même. Mais j'ai l'impression qu'on a déjà trouvé tout ce qu'il y avait à trouver par ici. Et un nul riche encore. Au revoir le riche. Et on va essayer de trouver un autre puits.
Un escargot approche. Oh, on lui fait du 22 maintenant. Ok. Ah, mais Ness. Pour bouger Ness, c'est vraiment bizarre. Eh, Groucho, bah lui, il est sympa, lui. Surtout si je le one-shot. Oula, ils sont pas contents. Ils sont sérieux à me mettre des critiques en pleine face, là. Ouais, s'il fait plus de dégâts, c'est normal, c'est parce qu'il s'est rapproché. Alors déjà, on va se soigner. Puis vu qu'on va être en manque de PP dans pas longtemps. On va essayer d'aller se régénérer. Un petit tronc approche. Au revoir. Hop. Et hop. What? Je suis... Ah oui, d'accord, je suis revenu déjà sur pied. Au revoir. Et re au revoir. What, à peine un pas et je tombe déjà sur un combat. Oh non, pas lui. Lui en off, il m'a... Il avait appelé un de ses monstres. Qui était le même sprite que lui, mais qui était bleu avec des ailes. Et cet ennemi là m'avait explosé à la gueule et... enfin à la tronche. Et j'avais perdu 180 PV au moins. Donc one shot. Normal. Y'a rien ici non plus. Je pense vraiment que c'est là qu'il y a quelque chose. Faut que je regarde bien. Ah bah voilà. Du premier coup, ça c'est pas mal. Et en plus, on a refait notre stock de vie, ça c'est bien. Par contre, le fait que ça soit un labyrinthe, ça m'enchante pas trop. Oh putain, 58. Je sais pas si, comme leur nom l'indique, ils sont riches, ces trucs-là. La pierre psy. Quelque chose me dit qu'il faut pas vraiment aller voir ce truc là-bas qui ressemble à un dragon. Mais quelque chose me dit aussi que je suis obligé. Non mais il va se calmer cet ennemi. Un 4 approche. Sérieux là? Gros chaud.
On utilise quoi? Alors, on utilise la télépathie. Je comprends pas trop ce qui se passe. Me casse. Alors, je peux y aller? Ok. C'est bon. Nos PV sont revenus à la normale. Passe au niveau suivant. Déjà? Eh ben dis donc. Bon, vous, par contre, les PV qui sont augmentés, les PM, ça n'a pas augmenté de beaucoup. Hein. Et un nouveau pouvoir psy de gagner. Le poisson approche. What? Ah, il déconne pas le truc. C'est quoi ça, un crochetonix? D'accord. Ah, épée, comment dire? Barda. Ne peut pas s'équiper de l'épée. Bon, en même temps, Ness, il se bat pas avec une épée. Hein. Je suis un homme oublié. Je ne suis pas vraiment ici. Tu n'étais pas censé me remarquer. Fais comme si je n'étais pas là. Je suis un homme qui n'existe pas. Tu me parles si gentiment. Je ne sais pas quoi faire. Si les gens me manquent, je ne peux plus vivre seul. Je me parle toujours à moi-même. J'ai toujours vécu seul. Chanceux, malchanceux, aucune différence. Parfois, même respirer devient un calvaire. Eh ben dis donc, il est malheureux, lui. Pourquoi persistes-tu à vouloir me parler? Tu es aussi un oublié. J'en ai déjà assez de mon fardeau, laisse-moi seul. C'est ça exactement, non? Vas-y, ignore-moi, comme tout le monde. Je suis pas vraiment ici. Tu n'étais pas censé me remarquer. Fais comme si je... Oh, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai, merci. Ah bah enfin! Enfin, excusez-moi, mais voilà. Ok, nous voilà dans le monde d'origine. Je suis un peu trop puissant pour les ennemis d'ici. Oh, deux coups critiques d'affilée. Heureusement que j'ai reparlé à ce gars-là parce que sinon j'aurais pas su qu'il fallait faire ça pour sortir. C'est faux, mais c'est plutôt bien pensé. Un ours approche, il est badass ou pas?
Oula, ouais, il est badass. Il est fort, ouais. L'OVNI est détruit. Ah, c'est pas par là. On peut pas avoir une un endroit précis de la map. Ok. Ah tiens, un nouvel endroit. Attends une minute, je ne pense pas t'avoir déjà vu. Tu n'es pas du coin toi, hein. Je vois, contente-toi de ne pas courir dans le hall. As-tu déjà joué à Super Mario Bros? Je joue encore à Super Mario Bros. C'est un vrai défi pour moi. Hein? Quoi? Tu es en retard, non? Hein? Ouais, tu veux un étrange au laboratoire? Eh bien, voici. Je n'arrive pas à faire ouais, d'accord, la roue ou le roue. Le concierge possède la clé de la porte menant au toit. Mais il ne me la donnera jamais. Bon, par contre, oui, tu peux te déporter de la porte. Ouais, c'est pour savoir si y avait vraiment quelqu'un dans le laboratoire. Il doit être traité à l'hôpital, ouais, d'accord. On ne court pas dans le hall. M'en fous, moi je cours. Enfin, plutôt j'accélère le jeu. École ici, ma parole. Ah, attendez, il y a un piano. On peut pas en jouer. J'avais envie d'aller embêter cette mauviette de Eric, mais il s'est enfui. Mauvais garçon. Une battant. Ouais, mais j'ai mieux qu'une patte en plastique, moi. D'accord. Ok. Il y a un cadenas. Est-ce qu'on doit aller de ce côté? J'ai pas l'impression. C'est une ville, ça? J'ai entendu dire que le couvre-feu de la Podonc a été levé. Tu sais ce que ça veut dire? Le pont est à nouveau libre. J'ai dit à mon fils d'étudier avant de jouer la Nintendo. Ça marche comme ça chez moi, lol. Tu as tout le temps l'air heureux. Pourtant, c'est la première fois que tu me vois, mec. Excusez-moi. J'aimerais être un docteur et aider les gens à malades. Et ainsi gagner beaucoup d'argent. Ouais. D'énormes rochers bloquent la voie, le train est bloqué. Il n'y a pas un endroit pour acheter.
Les entreprises d'Anka projettent de construire une boîte de nuit ici. Cette idée me plaît à personne. Ah bon? Ouais, on va te revendre l'herbe magique. Derrière la Droko. Ah ah, un boomerang. Comment dire hein? C'est intéressant ça. Retirer. Une batte en aluminium. Est-ce que c'est mieux que la batte que j'ai? Ah, je sais pas. Ouais, je pense que ça ira mieux. Utiliser. Ouais, j'avais une batte en bois. Variété goodies. D'accord. Enfin bref. On va vendre notre batte en bois. Puis l'épée. Oula, l'épée a l'air de valoir cher. On va la garder. Mais où est-ce qu'on est en fait? Je comprends pas très bien. Au revoir, bienvenue à Marysville, Podunk West. United Station Nord. Donc Podunk c'est par là. Un bolide d'approche. Au revoir. Ah ouais, notre botte. Ouais, notre botte fait bien mal. Maintenant, c'est des camions en ferraille qui nous attaquent. Ah ouais, d'accord. Oh tiens, un serpent. Ouf, le pauvre, on lui fait du 77. Ah c'est bon, on commence à retomber sur des ennemis de base. Ça va pas leur plaire. Mais que je revérifie une dernière fois en fait. Je suis fan de l'homme qui vit au village canin. Ouais bon bah Dylan. Mais je vais être seul pendant toute l'aventure ou quoi? Je suis pas censé recruter des personnes? Soit j'ai pas compris quelque chose au jeu, soit c'est parce que j'ai pas compris quelque chose. Mon dieu, 92 de dégâts, bientôt on va faire 100. On va se reposer un petit peu.
Et on va sauvegarder. Mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Oh, oh. J'ai été trop vite. Se reposer. Donc voilà, cet épisode sur Earthbound Zero est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je pense pas avoir trop parlé. Et je m'en excuse si c'est le cas. Mais comment dire. Soit c'était parce que j'étais trop concentré, soit c'est parce que je trouvais pas grand chose à dire. Sinon, n'hésitez pas à commenter pour me faire part de vos impressions. À liker pour me soutenir et à partager le contenu autour de vous. Pareil pour me soutenir. Et on se revoit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao mes minous.